La Bible nous dit la force du croyant, c'est quoi? La force du croyant, c'est quoi? La Bible nous dit la joie fera votre force. Amen. Amen. And the Lord is telling you, the Bible is telling that the joy of the Lord is our strength. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Amen. La Bible nous dit, entre dans la présence de Dieu. The Bible is telling us, come in the presence of the Lord. Avec de la louange et de l'adoration. With worshiping and adoring Him. Amen. Amen. L'apôtre Paul a commencé à parler. Paul started to talk. Il a dit, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques et par des hymnes spirituels. And he spoke about to give worship to the Lord with the songs and hymns. Amen. Amen. Comment tu es un croyant, tu ne t'entretiens jamais en louant et en adorant. So if you are a Christian, you need to sing, you need to worship and adore the Lord. Ce n'est pas possible que tu me dises je suis croyant et que tu adores et tu loues jamais Dieu. It is impossible to tell that you are a Christian, a believer, and you are not worshiping or adoring the Lord. Si tu ne loues pas et tu n'adores pas Dieu, tu ne peux pas dire je suis croyant. Because if you don't worship and adore the Lord, you cannot say that you are a Christian or a believer. Parce que croyant est le symbole d'adorateur. Because the synonym of a believer is a worshipper. La Bible nous dit quand Jésus a commencé à parler de la Samaritaine. And the Bible is saying about Jesus who spoke about the Samaritan woman. Il a dit, voici l'heure et elle est déjà venue. And he spoke about the time which is already here. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. When the true worshipper will worship the Lord in his spirit and in truth. La Bible nous dit, c'est là de tels adorateurs que le Père recherche. And the Bible says that these are the true worshippers that the Lord is searching for. Jésus a dit quelque chose de particulier à ses disciples. And Jesus spoke about something special to his disciples. Il a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. And he spoke about a fire. He came to throw a fire in this earth. Jésus a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. And he spoke about this fire that he came to throw to this earth. Et alors, le moment que tu parles à ses disciples. And one time went, as soon as he spoke to his disciples, ont commencé à regarder. His disciples started to watch at him, to look at him. Et Jésus les a regardés. And Jesus watched them also. Il leur a dit, mais qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? And he spoke about what I want to do if this fire is already burning. Vous savez, il y a des feux mauvais qui sont dans nos cœurs et qui nous détruisent. Because there are some fires which are in our hearts. Can destroy us. Il y a des fois le feu de la colère, de la haine, de la rancune, de l'animosité, de la jalousie. Sometimes there's the bad fire which is hypocrisy and which is irony. Et nous alimentons ces feux. And we are just burning with these fires. Comment on alimente ces feux? Je vais vous l'expliquer. How can we burn and keep burning these fires? I will explain to you. Quelqu'un vous fait un problème? If somebody is talking to you and you have a problem with somebody, celui-là il commence à m'énerver. It starts to be nervous. Il y a une machine qui commence à tourner dans ta tête et dans ton esprit. There is something which is happening in your head and you are angry. Et ça devient une obsession. Tu commences à y penser jour après jour. And it becomes an obsession because you start to think about it every day. Et à l'intérieur de toi, tu deviens comme une contact qui a envie d'exploser. And inside you became just like a boiling water. Ce feu-là t'amène à la destruction. And this fire is bringing you to destruction. Ce feu-là te détruit. Because this fire is destroying you. Et c'est pour cela que Jésus a dit, qu'ai-je à désirer s'il y a déjà un feu qui est allumé dans vos cœurs? And that is why Jesus spoke about what I'm waiting for if there is already a fire. La Bible nous montre que Jésus désire un feu qui vient du ciel dans ton cœur. And the Bible is telling that Jesus is waiting for the fire in you, the fire which is coming from heaven. Et ce feu réside dans l'adoration et dans la louange. And this fire is coming when you worship and adore the Lord. Quand tu commences à adorer Dieu, à louer Dieu, ton cœur commence à bouillir. When you start to adore and worship the Lord, your heart is boiling. De la même manière que tu as alimenté la haine, la rancœur, l'animosité, la jalousie. All on the same way where you are boiling, keeping boiling in all these jealous and angry things. Le Seigneur veut que tu fasses tomber ces forteresses, ces feux étrangers dans ta vie pour commencer à faire bouillir le vrai feu.
And the Lord is waiting that you keep, that you throw these fires which are foreign fires from you and to take his fire. Amen. Amen. Il y a des feux qui ravagent des forêts, mais ce n'est pas ce feu que j'ai besoin pour me chauffer à la maison. Because there are fires which are destroying and devastating all the forest, but this is not the fire that I need in my home. J'ai besoin d'un feu qui réchauffe toute ma maison dans laquelle je peux être heureux et en sécurité quand le froid est dehors. And I need a fire which is keeping warm at home when it's cold outside. Amen. Amen. Mais le feu qui détruit les forêts, celui-là je n'en ai pas besoin dans ma maison, il me tuerait. And I don't need a fire which is destroying the forest because this fire will consume it. Alors j'aimerais vous lancer une réflexion ce soir. I would like you to think about a moment. Est-ce que vous savez ce que c'est l'enfer? Do you know what is hell? Est-ce que vous savez ce que c'est l'enfer? Do you really know what is hell? La Bible me dit c'est un endroit où il y a le feu éternel. The Bible is telling that is a place where we have the eternal flame. Et j'aimerais te dire ce n'est pas un bon feu. I would like to tell that this is not the good fire. La Bible me dit que la parole de Dieu est un feu dévorant. Because the Bible is telling that the word of God is a consuming and burning fire. Et quand j'ai lu ma Bible, si j'ai bien compris ma Bible, and if I already understood my Bible, l'enfer est un endroit de jugement dans lequel la voix de Dieu, qui sera un jugement éternel, retentira. Because the hell is a place where the judgment, the eternal judgment of the Lord will be forever. Et la parole de jugement que Dieu donne à tous ceux et celles qui n'acceptent pas de marcher avec lui sur terre, il dit trop tard. And this is the judgment for all the people who do not accept him as soon as they were on this earth. And he will tell them, you have to choose. This is not the time. Si moi je te dis trop tard, ça te fait aucun effet. It is too late. If the Lord is telling to somebody, it's too late. Mais le jour où tu quittes ce corps, it is not the same effect that if somebody tells you it is too late. But one day, et que Dieu te dit trop tard, tu crieras éternellement. La Bible nous dit l'enfer est un endroit de pleurs et de grincements de dents, de regrets éternels. But one day, when you are in front of Jesus and when he told you it is too late, now you will scream forever. Trop tard pour louer, trop tard pour adorer, trop tard pour commencer ta prière, maintenant tout est fini. Too late to worship, too late to adore, too late to pray, it's too late for everything. Amen. Amen. C'est pour cela la Bible me dit, rachète le temps, car les jours sont mauvais. That is why the Bible is saying to take the time, because these days are bad. Il y a une urgence dans laquelle Dieu nous appelle à avancer et courir. And it is an emergency that God is waiting for us to start to walk with him. Cela j'ai dit, ne me dis pas que tu es croyant si tu n'adores pas Dieu et tu n'aimes pas Dieu. That is why I'm telling you, do not say that you are a believer if you do not worship and adore the Lord. Quand tu es dans ta maison, tu ne loues pas, tu n'adores pas Dieu et tu me dis je suis croyant, je ne te crois pas. Because when you are at home and you are not worshiping and adoring the Lord, I don't believe that you are a Christian. Un vrai footballeur n'est pas assis sur son canapé avec une bière en main. Because a football man is not a man which is not practicing the football. Mais un vrai footballeur est sur le terrain en train de s'entraîner. The true man of sport, football, it's going to and practicing and do sports. Moi aujourd'hui on trouve plein de personnes qui disent oh, moi j'aime le foot, je suis un grand footballeur. Because today there are so many some people who are taking it so love to watch match football. Et les footballeurs assis sur son canapé avec une bière à la main en train de crier. So he's watching his TV on the sofa and with the beer. Mais ça ce n'est pas un footballeur. This is not a football man. Ça c'est un imitateur. This is an imitator. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que les adorateurs, il y a les faux et les vrais. The Bible says that there are adorers which are true and false. Jésus a dit, voici les vrais adorateurs que le Père recherche. And Jesus told, here are the true worshippers that the Lord, that the Father is searching for. Alors comment peux-tu te qualifier comme vrai ou comme faux? How can we qualify to be true or false? Ça, c'est à toi de commencer à prendre cette décision quand tu es dans ta maison. This is up to you to take this decision when you are in your home. Et de dire, Seigneur, je laisse tous ces feux mauvais qui détruisent ma vie et je commence à attiser le feu de la louange, de l'adoration pour la gloire de ton nom. So you can just keep in mind.
mind and take away all these fires of jealousy and angry, and you take the fire of worshiping and adoring the Lord. Vous savez, là, si tu commences à adorer, à prier Dieu, à un moment donné dans ta vie, le feu va tomber. Do you know that when you start to read the word of God, when you start to pray, or at one moment the fire of God will enter in your life. Vous savez, on peut être rempli du Saint-Esprit, mais si le feu n'est pas tombé sur ta vie, tu ne te différencieras en rien de ce que le monde est. We can be fulfilled with the Holy Spirit, but if we don't have the fire of the Lord, we will not be have any difference with this world. La Bible me dit, les disciples de Jésus avant la Pentecôte, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Because the Bible is telling that the disciples were fulfilled with the Holy Spirit before the Pentecostal. Mais ils n'avaient aucun feu, ça ne les différenciait en rien des gens de dehors. But they didn't have the fire, and this they had no much difference from people who are outside. La Pentecôte a été matérialisée par quelque chose de puissant qui a bouleversé les mentalités, bouleversé les hommes. And the day of Pentecost, so that this was really a huge moment when this fire came and made a difference. Et cette chose que Dieu a fait, c'est le feu dans la vie des hommes. This is what the Lord gave to man. La Bible me dit que des flammes de feu se posèrent sur chacune des têtes. Because the Bible is telling that all this flame of fire came upon their heads. À ce moment-là, Pierre le peureux est tombé rempli d'assurance. And at this moment, Peter, who were afraid all his life, was fulfilled with assurance. Quand le feu commence à tomber sur nous, alors nous commençons à bouger dans le spirituel. Because when the fire can't come in our lives, we will start to do things in the spiritual world. Quand le feu commence à saisir nos vies, when the fire is coming upon to us, c'est la parole de Dieu qui commence à brûler en nous. This is the word of God which starts to consume in us. Amen. Amen. Bien des fois nous réfléchissons, oh mais Seigneur, comment puis-je avancer avec toi? Sometimes we're just asking ourselves, oh God, how can I keep walking with you? Ce n'est pas la bonne question que tu devrais poser. This is not the good question that you need to ask. Mais lève tes mains dans le ciel. But just put your hands upon the heaven. Dis, Seigneur, je suis un sacrifice vivant. And tell the Lord, I am a living sacrifice. Quand je lis dans l'Ancien Testament, les sacrifices devaient être consumés par le feu. And when I look in the Old Testament, I see that the sacrifice would be consumed by fire. Ça, c'est la manière dont Dieu montrait ce sacrifice, je l'honore et il est à moi. And this is the way that the Lord was showing that he looked good at the sacrifices, when the sacrifice was consumed by fire. Amen. Amen. Chaque croyant devrait avoir cette recherche. And every Christian needs to have this understanding. Et le matin déjà commence à déclarer le feu sur ta vie. And in the morning, start to declare fire in your life. Le feu sur ta vie. The fire in your life. Le feu détruit toute œuvre du diable. Because this fire destroys every deed of the evil. Vous savez, la Bible dit que le ciel, la terre a été créé par la parole de Dieu. And the Bible is telling that the word of God created the earth and heaven. La Bible me dit également que la parole de Dieu est un feu dévorant. And the Bible is telling me also that His word is a consuming fire. Et quand les scientifiques ont essayé de faire les recherches, comment tout est venu sur la terre? When the scientists start to look how this world was created. Les scientifiques ont parlé d'un Big Bang. All the scientists spoke about the Big Bang. D'un feu qui est sorti de quelque part et qui a commencé à créer les éléments. This was a fire which started from nowhere and started to create everything. Ça, c'est ce que les scientifiques ont découvert. This is what the scientists discovered. Mais si ces hommes auraient regardé la parole de Dieu, ils auraient découvert leur thèse beaucoup plus tôt. But if they just look at the word of God, they will know this before their research. Parce que ce Big Bang qu'ils ont vu, dans lequel Dieu a commencé à créer la terre, c'est la parole de Dieu qui est un feu dévorant. Because this Big Bang that they found, what was the word of God, which is a fire. Et encore une fois, la science a confirmé la véracité de la Bible. And once again, even the scientists confirmed this truth of the Bible. Parce qu'aucune science, aucun intellectuel au monde ne pourra enlever Dieu de la surface de la terre.
Because nobody on this earth will not put God away from the earth. Et il va faire les recherches, il va trouver quelque chose. Mais cette chose qu'il va trouver a déjà été écrite dans la Bible il y a 2000 ans. Because they will find things to explain the things, but all these things are already written in His Word. C'est pour ça que des fois je ne comprends pas les croyants qui ne lisent pas leur Bible. And that is why I don't understand how many Christians are not reading their Bibles. Et ils ne connaissent même pas qu'ils ont un grand trésor dans leur maison. Because they don't know that they have a huge treasury in their home. Amen. Amen. Notre désir c'est commencer à devenir des hommes et des femmes qui comprennent les choses spirituelles et pas être des bébés spirituels. And our desire is that we are men and women who are understanding the spiritual things and not to be babies, spiritual babies. Amen. Amen. Ne dites pas seulement j'aime le Seigneur, mais commencez à l'adorer dans vos maisons. Do not just tell I love my Lord, but start to adore and worship the Lord in your home. Commencez à le bénir. Start to bless Him. Commencez maintenant à avoir une vie régulière avec Dieu. Start to have a regular life with the Lord. Commencez à comprendre que vous êtes un sacrifice qui doit être agréé par le feu. Start to understand that you are a sacrifice that need to be proved by fire. Et tant que le feu n'est pas descendu, continue à dire Seigneur, je veux être agréé par toi. As soon as this fire is not coming in your life, continue to pray so that the Lord can send this fire. Commence à changer ta manière de prier, dire Seigneur, je veux être agréé. Start to change your way of praying and tell just Lord, I need to be proved. Vous savez, la Bible dit quand les sacrificateurs voyaient que leur sacrifice n'était pas agréé, ils étaient vraiment inquiets. I need to be approved. And when in the Old Testament all these sacrifices were not agreed, la Bible nous dit que nous sommes un royaume de prêtres et de sacrificateurs pour notre Dieu. It was a problem about all the sacrificers. Mais ce que je m'étonne au 21e siècle, c'est bon nombre de sacrificateurs d'hommes et de femmes chrétiens ne sont même pas étonnés quand eux-mêmes en tant que sacrifice ne sont pas agréés devant Dieu. The Bible says that we are a living sacrifice, and that so many people, so many Christians who are not understanding this. Même ma voiture a besoin d'un agrément tous les 2 ans. On appelle ça un contrôle technique. Even my car needs to be agreed in order to use it for 2 years. It is a technical control. Si ma voiture n'a pas ce macaron, je n'ai même pas le droit de circuler. Because if I do not have this agreement, I can't drive my car. Alors pourquoi bon nombre de croyants ne cherchent pas l'agrément de Dieu sur leur vie? And why so many Christians are not searching for this agreement from the Lord in their lives? C'est une question qu'on devrait se poser. There's a question that we need to understand and to ask. Souvent nous voyons nos problèmes, nous disons, mais Seigneur, j'ai tellement de problèmes, tu comprends, demain ça ira mieux. So many times we have much problems in our lives and we are just telling, oh Lord, I have so many problems, but tomorrow it will be okay. Quand le feu descend, tes problèmes sont résolus. Because when the fire comes into your life, all your problems are resolved. Parce que quand le feu descend, ça consume tout ce qui vient des ténèbres. Because when the fire comes, the fire from the Lord, it consumes all evil deeds. Quand le feu descend, tu commences à bouger dans le spirituel et le diable tremble. Because when the fire comes into your life, you start to walk in the spiritual world, and this the devil is coming away, is going away. Je n'ai jamais vu une torche sans flamme dessus. Because I never saw a torch without flame. Aujourd'hui, nous avons des lampes de poche, des lampes avec des piles. Today we have this torch of with batteries. Mais quand Jésus parlait, vous êtes la lumière du monde, il ne parlait pas d'une torche avec des piles, parce qu'il y a 2000 ans, ça n'existait pas. But because when Jesus spoke about that we are the light of the world, he was not talking about a torch with LEDs or with batteries. Il y a 2000 ans, ils avaient un bâton qu'on appelait un flambeau. 2000 years ago, they had this torch with clothes. Dans lequel on mettait un torchon un petit peu imbibé de pétrole. So we took this cloth with some petrol. Mais même si tu avais ça dans la nuit, si elle n'était pas allumée, ça ne te servait à rien d'avoir ça. But even at night, if it's not full, if you have it doesn't have flame, it serves you for nothing. Pour pouvoir t'en servir la nuit, tu avais besoin du feu. So in order to use this torch, you needed fire. Et quand le feu venait sur cette torche, alors la nuit cette torche était très utile pour toi. And when the fire came to this torch was so useful for you at night. Et Jésus dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. And the Lord understand that we are the salt and the light of this world. La lumière elle est allumée quand le feu est dessus. And the light is there when the fire is there. Amen. 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 Ça c'est quelque chose qui est réel.
This is something which is real. Vous savez, quand tu as de la viande, si tu veux enlever les bactéries de la viande, tu es obligé de la faire cuire. Because when you have meat and you need to eat this meat, you need fire. Quand tu cuis ta viande, les bactéries qui sont dans la viande sont détruites. You know, the bacteria who are in this meat, when you start to fry it, they disappear. De la même manière, quand le feu descend sur ta vie, la puissance du péché est détruite dans le nom de Jésus. And in the same way, when the fire of the Lord comes into your life, all your sin is destroyed. Les pensées des ténèbres sont détruites quand le feu descend. All this bad thinking of evil thinking is destroyed when the fire comes upon you. Amen. Amen. Mais le Seigneur nous interpelle. And the Holy Spirit wants to give you this message. Combien de temps allons-nous attendre l'agrément de Dieu sur nos vies? How many times we'll be waiting for this godly agreement to our lives? Que nos prières soient des demandes, Seigneur, agrée-moi. So that our prayers would be, God, agree my life. Pose l'agrément sur ma vie. And give me your agreement in my life. J'ai besoin du feu. Because I need the fire. Élie a dit au prophète de Baal. Elijah told to the false prophets. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là est le vrai Dieu. False prophets of Baal, he spoke that the true Lord will answer with fire. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose. And today I want to tell you something. Si tu dis que c'est seulement la prière qui change, alors j'aimerais te dire, les chrétiens, ce sont les gens qui prient le moins. And if you tell that the prayer is the thing that is changing, I will tell you that the Christians are people who are praying the less. Les musulmans prient. Because the Muslims are praying. Les bouddhistes prient beaucoup. The Buddhists are praying also. Mais les chrétiens, c'est ceux qui prient le moins. But the Christians are those who are praying less. Alors c'est pas uniquement ça qui change. And this is not the thing that is changing. La seule chose qui va différencier les chrétiens des gens du monde et des autres religions du monde, c'est le feu. Because the only thing that will bring the difference between us and this world is the fire. Parce que le feu commence à te donner une assurance que jamais tu n'avais avant. Because this fire brings you and gives you this assurance that you never have. Le feu commence à te saisir. And this fire starts to take you and to seize you. Et quand les œuvres des ténèbres sont là, c'est le feu qui commence à te saisir. When the evil things comes and when this fire comes and it consumes them. La Bible nous raconte une histoire que tout Israël avait la foi. And the Bible is telling about a story that all Israel had the faith. Tout Israël savait faire trembler le sol. Because all people from Israel knew how to tremble the earth in your legs. Mais quand Goliath est venu, il n'y avait qu'un seul qui avait le feu. But when Goliath came, there was just only one who knew how to be useful. Vous savez comment nous voyons ça dans nos vies? You know how we see this in our lives? Nous disons tous que nous avons la foi. Because all of us will tell that we believe. Mais quand les problèmes et les intimidations commencent à surgir dans nos vies, quelle est l'attitude de ton cœur? Est-ce que c'est le feu qui te saisit? Ou est-ce que tu es là en train d'être découragé et tout raplapla? But when there is a problem in your life, what are you doing? Is it the fire which sees you, or are you starting to mumble and to take all these problems are so huge? Quand je vois le problème, je lui dis, je t'attendais, je savais que tu allais venir. And when you see the problems, you speak to them and tell them, I knew that you would come. Maintenant, je mets ma foi en action et à cause de la présence de Dieu et le feu, je vais être détruit. And I bring and I take my faith in action and because of the presence of the Lord and His fire, you are destroyed. Amen. 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 Ça, c'est une réalité que nous devons comprendre. But this is a reality that we need to understand. Dieu ne veut pas que tu es toujours en train de pleurer et de te lamenter sur ton sort. Because God is not waiting for you that you cry all the time upon your things and bad things in your lives. Mais la joie continue à alimenter ce feu. But start to be joyful and to have this faith and to have this. Le matin, je te lève et tu dis, Seigneur, crée en moi un cœur pur. And in the morning, just ask the Lord, give me a pure heart. Vous savez comment ton cœur peut devenir pur? You know how your heart can be pure? Quand le feu descend sur ton cœur est pur. When the fire of the Lord comes in your heart will be cleansed. Amen. Amen. Tant que le feu n'est pas descendu, ton cœur n'est pas pur, il est toujours aussi mauvais, toujours aussi pécheur, toujours aussi destructeur,
qui t'amène toujours un feu étranger. And when and before the fire of the Lord comes in, upon your heart is still bad and you're doing bad things. Mais quand le feu de Dieu vient, tu sens ton cœur qui commence à brûler et tout d'un coup t'as la paix. But when the fire of the Lord comes upon your heart, you sense this peace and you know that the Lord is there and it's working in your life. Je l'ai maintes et maintes fois expérimenté dans ma vie. So many times I experienced this in my life. Quand les pensées mauvaises venaient m'accabler, when the bad thinking was coming in my head, tout d'un coup je priais et je dis Seigneur, je suis un homme de feu. Suddenly I prayed and I asked the Lord for his fire. Je suis un homme de feu, je suis pas un glaçon, je suis un homme de feu. I was speaking and I'm a man of fire and all these bad things were destroyed immediately. Et tous les coups que j'ai fini de prier, je sors dehors. And after my prayer just went out. L'agrément de Dieu descend sur ma vie. And his agreement, the agreement of the Lord is coming upon my life. Aussi mauvaises étaient mes pensées, tout d'un coup je sens le feu qui descend sur le cœur, sur les pensées, et tout d'un coup tout est détruit. And no matter what were my thinkings and my heart at this moment, because of his agreement, all was changed. Immediately, et la chope. And because he just seized me with this fire. Amen. Amen. Et quand la paix vient, je dis maintenant, je peux marcher avec assurance. And now I have the peace. When I have the peace, I'm walking in this assurance. Et Satan, si tu viens me faire face, je te détruis tous tes membres l'un après l'autre. And Satan, if you come, and I know you will come, I will destroy all your members. Parce que je suis en feu. Because I'm in fire. Amen. Amen. Celui qui veut toucher le feu avec ses mains se brûle. Because the man who wants to touch the fire with hands will be hurt. Une mouche ne viendra jamais sur un fourneau chaud. And a fly will never come in a fire or in a oven that is heated. La mouche n'est pas folle. Because this fly is not crazy. Un démon ne viendra jamais sur un homme, une femme de feu. And a demon will never come to a man which is on fire. Parce que quand tu vas voir le feu, il va partir parce qu'il va se brûler. And when he see the fire, he will go away because otherwise he will be hurt. Amen. Amen. Et moi je dis à Dieu, Seigneur, alors pas seulement que moi je suis en feu, mais que tout autour de moi il y a le feu, que quand je commence à avancer il y a le feu, et que tout commence à brûler, et que les puissances des ténèbres sont brisées les unes derrière les autres. So I pray like this, so not only your fire on me, but over me, all around my home and my place, so that all the demons, when they see this fire, will go away. Amen. Amen. Avant que le feu descende sur ma vie, je n'étais pas différent. And before this fire came upon my life, I was not different. J'étais converti, rempli du Saint-Esprit, mais j'étais froid. I was a newborn Christian, I was filled with the Holy Spirit. Et un jour un frère a commencé à me dire, il faut que tu demandes le feu. But one day, a Christian brother told me, you need to pray for the fire. J'ai dit d'accord alors, ok, je vais demander le feu. Ok, I prayed for the fire. Et je commence à prier, Seigneur, je veux le feu. And I started to pray, Lord, I want the fire. Seigneur, je veux le feu. I want your fire. Au début, ma prière n'était pas très explosive. And at the beginning, my prayer was not so explosive. Mais tous les jours, je commençais à demander le feu, à désirer le feu. But every day, I started to want this fire, the fire of the Lord. Et un jour, le feu est tombé sur moi. And one day, his fire came upon my life. Et moi, je croyais qu'il allait disparaître. And I thought that this fire will eventually one day go out. Et quand un jour, c'était dans un événement avec un grand homme de Dieu qui était là, qui prêchait sur le feu et qui priait pour le feu. And at a moment when we were in a Christian assembly, there was a man of God who was praying about the fire and speaking about the fire. Je me suis enfermé dans les WC. And I went to the toilets. J'ai conclu mon alliance avec Dieu. And I made my alliance with the Lord. J'ai dit, écoute Seigneur, si le feu maintenant tombe pas sur ma vie, t'as qu'à me tuer. And I told the Lord, if your fire will not come now, right now in my life, you better kill me. J'ai dit à Dieu, ça me sert à rien de vivre s'il n'y a pas feu sur ma vie. And I told the Lord that if the fire of the Lord is not upon me, it is not worth living. J'ai dit, tue-moi tout de suite si tu veux pas me donner le feu. If you do not want to give me the fire, just kill me right now. Ça c'était ma prière que j'ai fait à Dieu. This was the prayer that I made to the Lord. Et je suis sorti. And I went out. Et le feu est descendu puissamment sur ma vie. And the fire came on my life in this
strength and strong. C'est seulement des années plus tard que j'ai compris que le feu était un agrément de Dieu. And years after that, I understood that the fire was an agreement from the Lord. Au début, je n'ai pas compris. Because the first time I didn't understand. Je sortais dehors. Because I went out from this toilet. Je voyais les gens. And I was seeing people. Le feu saisit mon cœur. And his fire came to my heart. Je les arrête comme ça dans la rue. Je dis, mettez-vous là. And I just when I see people on the street, I just align them. J'ai dit, Jésus vous aime, maintenant vous allez écouter le message de l'évangile, vous ne pouvez pas partir avant. And I speak to them, Jesus loves you and you can't go away until you listen to his, the gospel of the Lord. Des fois je marchais 500 mètres, je faisais 4 heures les 500 mètres. Sometimes I was taking just 500 meters and I was doing this 500 meters for 4 hours. Chaque personne je l'arrêtais, je prêchais le message d'évangile. Because every person that I was seeing, I was preaching the gospel of Christ. Et un jour j'ai ramené des croyants avec moi. And one day I just bring some Christians with me. Ils ont dit, ah, quand on va avec Walid, c'est pas les chrétiens qui ont peur, c'est les non-croyants qui ont peur. And they were speaking about when we go with Wally, there are the non-Christians who are having fear. C'est pas les chrétiens qui tremblent parce qu'ils ont peur de témoigner, mais c'est les non-croyants quand ils entendent le témoignage. It was not the Christians who are fearing that they are giving the gospel, but it was the non-Christians who have fear to listen to the gospel of Christ. Parce que le feu fait trembler les cœurs. Because of fire, it just is doing a huge impact in the human's life. Human's trembling. Le feu amène comme une vibration dans les cœurs. It is just like a vibration which is put in one man's heart. La Bible dit que les disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs quand Jésus a parlé avec eux. And the Bible is telling about the disciples when they are on the way to Emmaüs. Ce que les disciples ont dit quand Jésus est parti. And what the disciples told was speaking about when Jesus went. Ils ont dit, mais notre cœur ne brûlait-il pas quand il marchait en chemin avec nous et qu'il nous racontait ses histoires? After Jesus went out and they were just speaking about their hearts, which were on fire while they were speaking to him. L'évangile devrait être prêché uniquement avec le feu. And the gospel of Christ needs to be preached uniquely with the fire. Parce que l'évangile est prêché avec le feu, les cœurs sont embrasés pour le Seigneur. Because when the gospel is preached with the fire, the hearts of the people are taken for him. L'évangile n'est pas un message rituel pour les pompes funèbres. Because the gospel of Christ is not just a message to one man who will be dead tomorrow. Aujourd'hui, certains prêchent l'évangile de manière très solennelle, très... mais il n'y a aucun feu dans les cœurs. Today we're preaching about the gospel with this way of solemn things, but without fire. Le péché qui est dans la vie des hommes et des femmes n'est jamais réprouvé. And the sin of one man's life is never reproved. Et aussi calme et silencieuse est la prédication, aussi calme et silencieuse, ils sont sur la route de l'enfer. And in the way that they're listening to this message which is not on fire is the way that they're going to hell without knowing the gospel, the real gospel. Où nous devons nous réveiller. Because this is a time when we need to be renewed and we need to be woken up. Et nous laisser saisir par le feu. And to let ourselves be seized by the fire. Parce que le feu c'est la parole de Dieu. Because the fire, it is the word of God. Si le feu habite en toi, la parole de Dieu est vivante en toi. Because if the fire is in you, the word of God and the life of God is in you. Si le feu n'est pas en toi, tu as beau connaître toute la Bible, de toute la théologie que tu veux, la parole de Dieu n'habite pas en toi, c'est une lettre morte et la Bible nous dit la lettre morte tue. Because if you are not having the fire of the Lord in your heart, the word of God, it is just like you know all the Bible, but the word is killing. You need the fire. Alors laisse tomber ta religiosité. And just throw your religiousness. Commence à réclamer, dis Seigneur, je suis un homme, je suis une femme de feu. And start to reclaim and to declare that you are a man and woman of fire. Seigneur, je suis un homme, une femme de feu. God, I am a man and I am a woman of fire. Et les hommes et les femmes qui parlent avec moi, c'est le bois. Et le feu commence à brûler pour ta gloire. And all the people who are talking and speaking with me, this is the wood. And this, your fire is consuming them. Et s'il y avait un feu mauvais dans ta vie,
And if you have a bad fire in your life, just repent. Dis Seigneur, je reconnais qu'il y a un feu mauvais qui brûle plus que ton feu. And recognize, Lord, I recognize that there is a fire which is a foreign fire and which is burning more than your fire in my life. Je me repens devant toi et je change ma manière de vivre. I repent and I want to change and I change my way of living. C'est ça que Jésus a dit, tu dois apprendre à renoncer à toi-même, te charger de ta croix et suivre. This is when Jesus taught that you need to understand how to take your cross and how to walk with him. Commence à mourir à toi-même. And how to die to yourself and start to die to yourself. Vous savez, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dira qu'il y a certains démons. Il y a des démons qui se chassent, mais il y a d'autres choses qu'il faut apprendre à mourir. And l'apôtre Paul spoke about some demons that need to be chased, but other demons that need to us to be sacrificed. Nos caractères ne sont pas toujours des démons, mais c'est à nous de mourir à nous-mêmes et de changer de vie. And to die to ourselves, but our characters are not always demons, but we need to change our ways of living. Si nous sommes impactés du royaume de Dieu, alors nous sommes des êtres différents de ce monde. And if we are impacted by the fire of the Lord, we are different from all the other. Nous sommes reformatés. We're reformatted. Amen. Amen. Un ordinateur, quand on veut changer complètement, on le reformate. If we want to change a operating system or something in a PC, we reformat it. On le réforme, on change tout dans lui. We change all the data which is in the data. Il a toujours la même carapace. In the disk, and you have the same PC, mais l'intérieur a été changé. But the disk was changed. Tu auras toujours la même carapace extérieure. You always will have the same apparency, visuality. Mais ton cœur commencera à brûler pour les choses de Dieu. The same body, but inside in your body will have the fire, which will be the difference. Amen. Quand le feu est dans ton cœur. And when the fire is in your heart, toutes les choses de Dieu vont commencer à brûler en toi. All the things for the Lord will start to burn inside you. Et si tu commences à accepter le péché, c'est toi qui jettes un seau d'eau sur ton feu. And when you start to accept the sin, it is just like you are taking water and just to burn and putting on the fire. Mais tant que tu veux marcher avec Dieu, le feu est là. Et dès qu'il y a une attitude, une action de Dieu, quelle qu'elle soit, ton cœur commence à brûler. But when you want and when you want to walk with the Lord, when you have a situation in your life about Christ and the Lord and bringing the gospel, your heart starts to boil. Amen. Amen. Bah, il est arrivé que mon cœur brûlait tellement quand un prédicateur il commence à prêcher, je me levais en plein milieu de la prédication, je dis, prêche pasteur. So many times I was just listening to the preachers and my heart started to burn and I was just jumping and telling him continue to preach. Parce que le feu brûle. Because the fire is consuming. Et ce soir le feu continue à brûler. And this fire is continuing to heat and to burn. Amen. Amen. Et mon désir c'est que tu ressors de ce lieu rempli de feu. My desire is that you go out from this place and be fulfilled with the fire. Il y en a marre de voir des croyants froids. Because I've seen so many Christians who are cold. Amen. Amen. On n'est pas dans un congélateur. We're not just like in a refrigerator or a congelator. Mais Jean-Baptiste a dit, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. But John the Baptist told that he will baptize you in the Spirit and in the fire. Seigneur, agrée-moi. God, agree me. Agrée-moi. Agree me. Et que ton feu descende sur ma vie. So that your fire will come upon my life, in my life. Vous savez, à des moments quand on voulait attraper Élie. And when we spoke about the story of Elijah, Elie a dit à ses soldats, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende maintenant. When the soldiers came to search for him, and he was telling to them, if I'm a true servant of the Lord, so that the fire will come and embrace you. Que le feu descende maintenant. So the fire will come right now. J'aime Elie parce que c'était un homme de feu. Because he was a man of fire. Et la Bible ne dit pas qu'il était prophète, la Bible nous dit c'était un homme de la même nature que nous. And the Bible is telling that it was the same
the same man, just you and me. Mais il savait faire descendre le feu du ciel. But he knew how to put, how to take the fire from heaven. Et mon désir dans l'église, c'est toujours de voir plus de feu tomber du ciel, plus puissant. My desire is to see this fire coming more and more in the church. Ça m'intéresse pas des réunions normales, comme on dit. Because I'm not interested in just like to be here and not living anything. Mais mon désir, c'est que chaque réunion soit le feu qui descend du ciel et que l'église totale est agréée par Dieu. But my desire is that every time we meet, we are agreed by the Lord, by His fire. Dans lequel ça commence à brûler. When we start to be consumed by His fire. Et quand on commence à sortir dehors, les gens voient, il dit il y a quelque chose de nouveau sur cette personne. And to burn. And when we go out, people will see that there is something which happens in our lives. Quand le feu tombe sur toi, tu es une nouvelle personne. Because when the fire comes upon you, you are new. You are a new person. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, voici toutes les choses anciennes sont passées, maintenant toutes les choses sont devenues nouvelles. That is why Apostle Paul told that everything here, everything which was in the past is past. Now there are new things. Si tu n'as pas changé après ta conversion, c'est que le feu n'est pas encore tombé sur toi. If you do not change after you went to Jesus, that means that the fire didn't come to you. C'est pas possible. Because this is not, it is not possible. Parce que quand le feu descend sur toi, tu n'es plus jamais le même homme. Because when the fire comes upon you, you are a completely new and changed person. Tu ne peux plus jamais être la même personne. You cannot be the same person. Impossible. It is impossible. Parce que le feu devient plus fort que toi. Because the fire is starting to be more and more important than you are. La parole de Dieu devient plus fort que tout dans ta vie. And the word of God is starting to be more and more important in your life. Et ta vie est basée sur le fondement de la parole de Dieu. And your life is based on the word of God, on the rock. Vous savez, c'est comme ça que notre foi peut grandir. Autrement, notre foi ne grandira jamais. This is the way that our faith can be and can grow. La Bible me dit dans le livre de Hébreux 11, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. In Hebrew 11, the word is telling that we are taking things, we are believing things that we are listening to. Mais tant que le feu n'habite pas en toi, tu reçois la parole seulement de Dieu du dehors. But if the fire is not in your life, you are receiving God things from the outside. Donc c'est pour cela que beaucoup de croyants n'arrivent même pas à avoir la foi parce qu'ils entendent, mais leur foi n'arrive pas à grandir et à être créée dans leur cœur. And because of His word and His and this fire is not in them, they are just listening. So it's just like an outside thing. Mais quand le feu tombe sur ta vie, but when the fire comes into your life, la parole vient plus de l'extérieur mais vient de l'intérieur. The word of God is not coming from the outside, but from the inside. Et la foi vient de ce que tu entends de l'intérieur. And the faith is coming from the thing that you are listening to from the inside. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. À ce moment-là, la foi grandit. And what you are listening to is coming from the word of God, which is inside you. À ce moment-là, la foi habite en toi, et quand tu la mets en pratique, elle devient puissante. And at this moment, the faith is in you, and when you start to use it, it is for His majesty. Jusqu'avant, tu cherches toujours, tu attends toujours. Till that moment, you are always searching how to do it. Amen. Amen. Heureusement que Dieu fait grâce, et Dieu nous fait des miracles, Dieu agrée nos prières, sans défendre notre foi. And sometimes, God is agreeing our prayers, even without our faith. Parce que combien de prières sans foi que Dieu quand même, dans son amour et dans sa grâce, exauce. Because of His grace, there are so many prayers that He agrees without that we are having faith. Et je vois comment, je parle souvent avec des croyants qui n'ont aucune foi et qui disent je suis carrément étonné que Dieu m'a exaucé, qu'il a entendu ma prière. I know it because I'm speaking with people that apparently I know that having no faith, but they're being exhausted. Ça c'est Dieu qui te montre ton amour, son amour pour toi. This is the love of God which is demonstrated in their lives. Mais aujourd'hui j'aimerais te parler de la tristesse de Dieu parce qu'il ne voit pas le feu dans ton cœur. But I would like to tell you today that the Lord is sad because He is not seeing the fire in your heart. Cette tristesse dans laquelle Jésus a dit, mais qu'ai-je à désirer si un autre feu est déjà allumé?
the sadness that the Lord is seeing, that what I want from my fire sending to you, because there is another fire already in you. Je l'avais dit alors qu'un jour que j'étais en train de prêcher ici. And one time I spoke about this while I was preaching. Au moment où je prêchais, j'ai vu une image dans laquelle je voyais Jésus qui se levait du trône de grâce. While I was preaching, I just saw a vision when I saw Jesus coming from his throne of grace. Et qui jetait un feu sur la terre. And who was just throwing a flame, a fire on the earth. Et le Seigneur m'a dit, je jette un feu sur la terre. And the Lord told me that he was throwing a fire in the earth. Le feu de ma parole. The fire of his word. Et là, je me suis rappelé du verset dans la Bible qui dit, and I just remember this verse in the Bible who tells us, je suis venu pour jeter un feu sur la terre. I came to throw a fire in the earth. Ça, c'était la destinée de Jésus. Pourquoi il est venu sur la terre? This was the destination and for the Lord to come to the earth. Il est venu pour jeter le feu de sa parole dans les cœurs. Because he came to throw the fire in our hearts. Pourquoi? Parce que la Bible me dit dans l'Ancien Testament. Because the Bible is telling us in the Old Testament. Un des désirs de Dieu en passant par tous les prophètes. One of the God's desire from all the times. Il a dit, j'arracherai le cœur de Pierre. And this desire was just that he will take this heart of stone. Je mettrai un cœur de chair et un esprit nouveau. And that will put a heart of flesh and a new reborn spirit. Pour les prophètes, c'était quelque chose de compliqué à comprendre. For all the prophets, it was a thing which was really hard to understand. Il a dit à Moïse, je graverai mes lois sur la table de leur cœur. Because the Lord spoke to Moses that he will put his laws in people's hearts. Vous savez, Moïse, quand il a vu toutes les lois, il a dit, ah, ça c'est le découragement total, jamais ça pourrait y arriver. And Moses, when he saw all the laws of the Lord, he was discouraged because for him, with this people of Israel, it was not possible. Comment toutes ces lois peuvent atterrir dans le cœur d'un homme? How can this be possible, all these laws, to come into one man's heart? Mais Jésus leur avait caché pour nous amener dans la révélation de sa présence. But Jesus just put us this revelation and explained this. Il a dit, je suis venu pour jeter un feu sur la terre et dans ton cœur. Because he told that he came and to put his fire in our hearts. Et quand le feu de Dieu est dans ton cœur, il y a l'agrément du ciel dans toute la loi qui est sur ton cœur. And when the fire of the Lord comes upon your life and in your heart, it means that this law is engraved in your heart, the laws of the Lord. Et là, tu n'as plus besoin de demander à Dieu qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché. Tu sens dans ton cœur quand il y a le feu ou quand il n'est pas là. Because now you don't need to ask the Lord what is sin, what is not sin, because when you have this fire, when you are doing sin, you know that this is not coming from him. Le problème de l'homme, c'est que Dieu agit spirituellement, mais l'homme ne comprend pas comment Dieu agit. And the problem of man is that man is not it doesn't understand how God is doing things. So because God is doing things spiritually. C'est pour cela que la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. That is why the Bible will tell us that because of our not understanding, his people is dying. Amen. Amen. Quand moi je commence à enseigner, je dis à Dieu, Seigneur, moi apprends-moi les choses spirituelles, j'apprends ça pour des hommes et des femmes qui sont spirituels. Before preaching, I ask the Lord that he gives me spiritual things so that I can speak to spiritual men and women. Apprends-moi comment tu agis. Just to know how to act. Et quand j'ai commencé à comprendre comment Dieu agit, and when I understand how God acts, j'ai dit à Dieu, mais c'est merveilleux, mon Dieu, de marcher avec toi. And I just tell him that it is marvelous to walk with him. Parce que dans aucune religion, j'ai expérimenté ces choses-là. Because I passed from so many religions and I never experienced this thing. Mais quand je prie avec toi, quand je dors avec toi, je commence à comprendre ce que tu fais, ce que tu veux et comment tu diriges ma vie. But when I pray, when I sleep, when I walk with you, I start to understand how you act. Et quand je lui dis ça, alors mon cœur commence à brûler. And when I speak to them, to him, this thing, my heart. Et là, je commence à devenir comme une boule de feu. When I start to be a ball of fire. Et je dis, merci Seigneur, tu as dit, tu fais des serviteurs, des servantes, des flammes de feu.
thank the Lord that He gave us to us and to me this His fire. Amen. Amen. Il faut que ton cœur y brûle ce soir. And I agree. And tonight you need to be fulfilled with this fire. Il faut que tu prends ton cœur y brûle. When you go at your place, that your heart and your human being will be in this burning. Pourquoi? Parce que le péché est attaché à ton cœur. Why? Because the sin is attached to your heart. La manière religieuse te fait toujours combattre, mais jamais être vainqueur. Because on the religious way, you are always being defeated. Et tu dis, oh, le diable m'attaque, le diable me perturbe, le diable fait quelque chose de mauvais sur ma vie. And you're telling, you're speaking about the devil who is attacking to you all the time. Si tu as le feu, ce n'est plus à toi de pleurer, c'est au diable de pleurer. Because if you have the fire, it is not you that will cry, but the devil will cry. Parce qu'il commence à trembler. Because you will start to tremble. La Bible ne dit pas c'est les croyants qui fuient quand tu vois le diable, mais c'est le diable qui fuit à loin de toi. And the Bible is telling about people that the devil is afraid of and going out and not the people who are afraid of him. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Submit to the Lord and resist to the devil and he will flee. Ça c'est la réalité spirituelle. This is spiritual reality. Amen. Amen. Nous n'avons pas peur du diable, mais il doit fuir loin de nous à cause du feu de la présence de Dieu dans nos cœurs. We will not have to be afraid by the devil, but we need to have the fire of the Lord. Quand le feu est là, will be afraid of us. Les péchés sont détruits. Because when we have the fire, all the sins are destroyed. Quand le feu est là, la puissance de la mort est détruite. And when the fire is there, the majesty of the death is destroyed. Et tant que le feu est pas là, tu combattras toujours et toujours et toujours. Il n'y a pas de formule magique. But if you don't have the fire, you always will have battles and you'll always be defeated. Des fois certains disent, mais pasteur, vous n'avez pas un verset spécial pour les péchés. Sometimes people are asking for me, Pastor, do you have a special verse about the sin? Commence à demander le feu et tu verras que le verset spécial sera dans ton cœur et là la puissance du péché sera brisée. Start to ask for the fire in your heart and after that you will know what verse to use in your life. Amen. Amen. Et quand tu es dans ta maison, dis Seigneur, accueille-moi. When you are in your house, just call and pray the Lord. So let you be agreed. Vous savez c'est quoi encore le problème des croyants? You know what is another problem of Christians? Quand ils prient, ils sont pas déterminés. When they pray, they are not determined. Prie. Just pray. Mais combien de fois dit Seigneur, maintenant je mets toute ma force pour maintenant que toi tu agrées ma vie. But how many times we're praying just like now I put all my strength so that you agree me. Arrête d'être une personne laxiste dans la prière. Start to be just like not be determined in your prayers. Arrête d'être une personne qui dit oh Seigneur demain je prierai plus aujourd'hui maintenant aujourd'hui je ne vais pas trop bien je fais une petite prière pour te faire plaisir. Stop being acting like this. Tomorrow I will pray more. Today I'm so tired and I will just pray a little bit so that you will not be angry with me. Tu n'es pas un enfant dans lequel tu lui donnes une petite caresse et tu dis ah c'est pour te faire plaisir ce soir comme ça tu dors bien. God is not just like a baby or telling good stories to him and he will sleep well. La Bible me dit qu'il est ton créateur. Bible says that he is your creator. Il est ton créateur. He is your creator. Si demain matin tu sais que le président vient dans ta maison, que tu es fatigué, que tu as passé de ça à lui ou n'importe, tu vas bien t'habiller, tu vas être présentable devant lui et tu vas essayer de faire tout l'honneur. Because if the president of this nation will come to your home tomorrow, even if you are tired, if you have so many things to do, you will be in good clothes, good shape, and you will just put him in your heart. Alors pourquoi quand tu as affaire au roi des rois, au seigneur des seigneurs, tu es tellement indiscipliné, tu es tellement tête dans les nuages? And you will welcome this person, but why you are not welcoming the Lord of Lords? Ça ne veut pas dire que Dieu est au ciel, tu dois avoir la tête dans les nuages. It doesn't mean that if the Lord is in Jesus is in heaven, that you have your head in clouds. Tu dois être conscient de qui il est. You need to be conscious about who he is. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Because you will adore the Lord with all your heart. De tout ton âme. With all your soul, de toute ta force, with all your strength, et de toute ta pensée, with all your mind. Ça c'est le premier des commandements.
This is the first commandment. Ça, c'est le premier des commandements. This is the first of the commandments. C'est un ordre pour tous ceux et celles qui veulent suivre Dieu. This is an order for all the people who wants to follow God. Ce n'est pas une simple parole. La Bible nous dit c'est un ordre. This is not just a word. It is an order. Parce que nous voulons que nous ne voulons pas un jour, la Bible nous dit tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Because what you know, one day all knee will kneel to him and will tell that and confess that he is the Lord of the world. Quand le diable est venu tenter Jésus, when the devil came to tempt Jesus, Jésus l'a regardé, l'a souri. Jesus just looked at him and smiled. Vous savez ce qu'il lui a dit pour le faire fuir? Do you know what he told him so that the devil will go away? Satan lui dit adore-moi. Because Satan told him, adore me. Jésus lui dit, il est écrit, tu dois adorer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. And Jesus told him that you have to adore your Creator with all your mind, strength and human being. Et tu offriras un culte à lui seul. And you will adore only him. Alors Jésus a dit à Satan, viens maintenant, on se met à genoux ensemble et on adore le Père. So Satan come and we'll kneel in front of the Father and we'll adore him. Satan, quand il a entendu ça, il a poussé ses oreilles et il a fui. When Satan just heard this, he just went away. Vous savez, il y a une chose que le diable a horreur, c'est que tu lui dis, toi aussi en tant que Satan, tu dois fléchir le genou et tu dois adorer le nom de Jésus. That is something he is really afraid about when you tell him, you, because you're Satan, because you're something that God created, you need also to kneel before the Lord and to adore him. Et souvent quand je suis en prière et quand je vois que Satan va venir attaquer, je lui dis, écoute Satan, tu as bien fait de venir, tu dois te mettre à genoux avec moi, je vais te punir et tu vas adorer le nom de Jésus. And so many times when I said that the devil was coming, and while I was praying, I was just telling to Satan, okay, Satan, come with me and we'll pray to the Lord and we'll kneel to the Lord together. Quand tu commences à dire ça au diable, il fuit. When you start to tell this to the devil, he goes away, he runs away. Je l'amène seulement à adorer Jésus avec moi. I just told him to adore the Lord with me. Je lui dis, tu dois fléchir le genou et adorer Jésus. I just told him you need to kneel in front of Jesus and need to adore him. Et parce que nous avons l'autorité au nom de Jésus, il est obligé d'obéir. Et pour lui, c'est la pire des choses. And because we have the authority from Christ, and he has to do this thing. Ne soyez pas des croyants qui ne comprenaient rien au monde spirituel et qui vivaient comme des religieux, mais commencez à apprendre les choses réelles. And do not be just babies, spiritual babies, but start to understand the spiritual realities in the Bible. Amen. Ce n'est pas le diable qui est vainqueur, mais c'est Jésus qui nous a donné la victoire. It is not the devil who is victorious, but Jesus who gave us the victory. Et lui, il doit seulement se courber et adorer Jésus. And Satan, what he needs to do is just to adore the Lord. Il va tellement pleurer au bout d'un moment qu'il va dire, Jésus, je t'adore vraiment parce que t'es fidèle, il me rend fou. And sometimes, he will just be at this point that he will start to adore the Lord because of all the men and women who are acting like this. Mais très souvent, aujourd'hui, j'ai vu les croyants pleurer face à Satan. But so many times I just saw Christians who are crying and not saying that. Les chrétiens n'ont pas compris l'autorité qu'ils ont reçue dans le nom de Jésus. Because Christians did not understood the authority that Jesus gave them in the name of His name. Et c'est tellement malheureux. And so pity. Parce qu'avec le nom qu'ils sont, s'ils commencent à comprendre la réalité de qui est Jésus et de l'autorité spirituelle qui en découle, alors j'aimerais vous dire, nous impacterons toutes les nations de la terre. I would like to tell them, if you seize his name, we'll have a great impact in this nation. Amen. In this world. Amen. Une des visions que Dieu m'a donné à moi et mon épouse l'a dit, c'est pour impacter ce pays. One of the visions that we received for me and my spouse was just to impact all the nations. Et donc il a dit, il y aura l'onction de la conquête. And the Lord told us that it will be the anointing of the conquest. Et ce pays va être en feu pour Dieu. And this will make nations in fire for the Lord. Amen. Amen. Ce pays est en feu pour Dieu. And this country is on fire for the Lord. Amen. Amen. Et ça c'est une réalité. And this is a reality. Amen. Amen. Ce pays est embrasé par le Saint-Esprit.
This country is embraced by the Holy Spirit. Et comme je dis toujours, la terre de France est une terre de réveil. And the nation of France is a nation of revival. Amen. Amen. C'est une terre que je bénis. This is a land that I bless. C'est une terre que je bénis. This is a land that Amen. I bless. Amen. La Bible me dit quelque chose de particulier. And the Bible is telling me about something Regardez, special. Je vais vous montrer quelque chose. I will show you something. S'il peut faire avec la caméra. With the camera. La Bible me dit quelque chose de particulier. The Bible is telling me something special, really special. Tout lieu, every place, que foulera la plante de vos pieds. That you will be stepping in. Vous appartient. It belongs to you. Il n'a pas dit tout lieu que foulera ta chaussure. It doesn't mean that all the place that your shoe will be placed. Il n'a pas dit tout lieu que foulera ta basket. Or your basket. Il a dit tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Every place that your body will Amen. Your leg. Amen. C'est pour ça que j'aime bien des fois marcher même pieds nus dehors. That is why I love to walk without shoes. C'est mon acte prophétique. That is my prophetical act. Dans lequel je commence à marcher. Where I start to walk. Je dis ça m'appartient. And I said it belongs to me. La terre m'appartient. And this land belongs to me. Et parce que la plante de mes pieds commence à toucher la terre. And because my legs is starting to be on this land. En faisant ça, je mets mon empreinte de mon pied sur la terre. I'm putting my footprints on this land. Et j'aimerais te dire quelque chose. I'd like to tell you something. Vu que mon pied, il y a le feu sur mon pied. And because there is the fire on my feet. C'est une marque que Satan ne pourra jamais enlever. This is a mark from Satan that will never vanish. Parce que je commence à marcher, je laisse mes empreintes de feu là où je vais. Because I'm taking and putting my footprints all around, I'm walking. Et c'est pour cela que j'aime bien, même pendant les vacances, faire le Tour de France. That is why I love to be on tour in France. Et je me mets souvent en claquettes, je jette mes claquettes et je marche pieds nus. So many times I'm just walking without shoes. Pour que le feu continue. So that the fire will continue. Je laisse mon empreinte. And I'm putting my footprints. Et c'est une empreinte éternelle parce que je suis éternel. This is an eternal footprint because I am eternal. Le jour où je quitte cette terre, je meurs pas, je vais direct au paradis. Because the day that I'm dying, I'm not dying, I'm going to heaven. Donc je suis éternel. Because and that means that I'm eternal. Donc si je suis éternel, mon pied est éternel. And if I am eternal, my foot is also eternal. Et l'empreinte que je laisse sur cette terre est éternelle. And this footprint that I'm leaving to this land is eternal. Amen. Amen. Josué a dit à Josué, tout lieu que foulera la pointe de tes pieds, ça t'appartient. That is why the Lord taught Joshua that every place that you are putting your feet will be to you. Amen. Amen. C'est une réalité. This is a reality. C'est une réalité. This is a reality. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que tu sois enflammé. So today you need to be in this burning fire. Arrête de dormir dans un congélateur. Start to just to be in a compartment of your fridge. Arrête d'avoir ta foi glacée. And start to be burning. C'est not cold. C'est bon la glace en été, mais dans la foi c'est pas bon. It is not good to have this ice. Parce que la glace détruit ta foi. Because the ice will destroy your faith. Vous savez, j'aimerais vous raconter encore quelque chose après. On va prier. I'd like to tell you another thing, and after that we'll pray. Vous savez, le froid, quand il devient tellement froid, il brûle. You know, when the cold is so cold, it burns. Si vous prenez du moins 60 ou du moins 80, ça commence à te brûler si tu poses ta peau dessus. If you take something which has a temperature below 0, 60 or 80 degrees, it starts to burn. De la même manière, on the same way, le péché est tellement froid et glacial qu'il brûle ta vie et la détruit. The sin is so cold that it burns your life. Mais le feu du péché t'amènera toujours la tristesse, le découragement, le désespoir, l'intimidation. But the burning of the fire will always give you intimidation and bad thinking. La dépression.
the depression. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les nombres de dépressifs augmentent jour après jour. And we live in a culture where all the people who are in depression is this number is rising all day. Mais quand tu regardes la télé, quand tu regardes tout le péché qui circule, tu comprends pourquoi ils sont trois quarts dépressifs. But if you watch the TV, you will see all the sin which is all the time on the TV. You will understand why. C'est tellement froid que ça leur congèle leur cerveau et ils commencent à péter les plombs. It is so cold and it is calling their mind and they are starting to become angry and crazy. Amen. J'apprends au psychiatre leur métier. I speak to the psychologist how to do their job. Yeah. Parce que eux ils comprennent pas leur métier. Because they don't understand how to do their job. Ils essayent de calmer le péché. They try to calm down the sin. Mais c'est le péché qui les a amenés dans cet état. But it is the sin that put these men and women. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu amène la chaleur et la joie de Dieu, la paix, l'amour, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Because the fire of the Lord brings the spiritual fruits. Ça, c'est ce qui ça amène le feu de Dieu. And this is what brings the fire in your life. Ça ramène tous les fruits de l'esprit qui sont mentionnés dans le livre de Galates 5. All the fruits in Galatians 5. Amen. Amen. Alors maintenant, comment voulons-nous marcher? Nous voulons-nous marcher comme des congélateurs ou voulons-nous marcher comme des hommes et des femmes de feu? They want to walk cold or hot. Amen. Amen. Dans ce monde froid, tu n'as pas besoin de congèle, tu as besoin du feu. You don't need to be cold, you need to have the fire of the Lord. Alors nous allons nous lever ensemble et nous allons prier. So we will pray together. Nous allons prier. We will pray. Maintenant c'est un temps où si peut-être le péché avait commencé à détruire ta vie, tu vas commencer à t'humilier. Maybe this is a time that the sin was destroying your life and now you need to kneel in front of Jesus and repent. Tu vas commencer à demander pardon. You'll start to ask for forgiveness. Peut-être que tu pensais que Dieu n'avait que besoin d'un petit temps, d'une petite prière et que c'était fini. Alors tu vas t'humilier, tu vas lui demander pardon et tu vas commencer à le bénir. Maybe you need now this moment just to ask for forgiveness and start to bless the Lord. Mais il ne faut pas que tu sortes de ce lieu de la même manière que tu en es entré. You won't, if you pray like this, you won't go out and sense nothing in your life to change. Et tu vas commencer à réclamer le feu de Dieu dans ta vie. Because you will now start to reclaim the fire in your life. Tu ne peux pas vivre sans le feu de Dieu. Because you can't live without the fire of the Lord. Tu ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. You can't live without the word of God. Tu es obligé pour pouvoir être heureux et vivre dans la gloire de Dieu d'avoir le feu. You need in order to live in the joy and the glory of the Lord to have His fire. Prions ensemble. Let us pray together. Et commence à demander pardon à Dieu. And start to ask for forgiveness and to repent to the Lord. Seigneur mon Dieu mon roi, je te remets ton peuple qui est venu ici dans ce lieu. Jesus, I bring all your people to you. Merci Saint-Esprit, c'est toi qui commences à amener une conviction de péché, de justice et de jugement. Thank you Jesus and thank you Holy Spirit that you are bringing this people into judgment right c'est now. Toi qui es en train de toucher les cœurs et les vies. And then it's you that is touching all lives right now. Avec ta présence. With your presence. Et avec ton feu. And with your fire. Seigneur mon Dieu, moi je te bénis maintenant. The Lord, I bless you right now. Je te bénis maintenant. I bless you right now. Et lève tes mains, Église de Jésus-Christ. And raise your hands, Jesus. Et dis Seigneur. Raise your hands, brothers and sisters, and tell Jesus. Dis Seigneur. Tell God. Agrée-moi. Agree me. Que ton feu maintenant descende sur ma vie. So that your fire come into my life. Que ton feu maintenant descende dans mon cœur. So that your fire come into my heart. J'ai besoin que mon cœur soit transformé. I need that my heart is transformed. J'ai besoin d'être une nouvelle personne. And I need to be a new person right now. Une nouvelle créature. A new creation. Une créature armée de feu. A creature that is armed by your fire. Je déclare que je suis, soit c'est un homme, soit une femme, tu dis, je suis un homme, une femme de feu. I declare that I'm a man of fire. Je déclare maintenant le feu sur ma vie. And I declare now the fire of the Lord. Maintenant dans le nom de Jésus. Now in the name of Jesus. Maintenant dans le nom de Jésus. Now in the name of Jesus. Redis-le encore, je suis. Je suis. I am. Un homme de feu. A man of fire. Un homme, une femme de feu. Or a woman of fire. Commence à
déclarer maintenant. Start to declare right now. Dis Seigneur. And tell God. Je ne veux pas partir de ce lieu. I don't want to go away from this place. Sans être agréé par le feu. Without being agreed by your fire. Sans être touché par le feu. Without being touched by your fire. Sans être visité par le feu. Without being visited by your fire. Sans être touché par le feu. Without touching by your fire. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Maintenant commence à recevoir le feu. Now you start and take this fire. Commence à recevoir le feu. Start to receive this fire. Commence à recevoir le feu maintenant dans le nom de Jésus. Start to receive the fire in the name of Jesus. Reçois le feu maintenant. Receive the fire dans le nom de Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Le feu maintenant. Fire. Feu maintenant. Fire. Seigneur mon Dieu mon roi, c'est toi qui touches par le feu maintenant dans le nom de Jésus. God is you who is touching. Feu maintenant dans le nom de Jésus. In the fire. Feu maintenant dans le nom de Jésus. C'est toi qui touches par le feu maintenant dans le nom de Jésus. Touch right now in the name of Jesus. Feu maintenant, Seigneur mon Dieu. Les cœurs dans les vies maintenant. Et le feu de ta présence maintenant dans le nom de Jésus. Le feu maintenant. Et ta présence maintenant. Commence à déclarer, commence à prier vraiment des prières de feu maintenant. Start une prière de feu. By the fire of Jesus right now. Le feu maintenant. Right now. Le feu. The fire, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Plus. More and more. In the name of Jesus. In Him. In His name. Au nom de Jésus. For His glory. In the name of Jesus. Take plus fire and take the fire in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Encore plus. Be fulfilled with the plus fire. Remplis le feu, Seigneur mon Dieu mon roi. Le feu maintenant. Le feu, Seigneur mon Dieu mon roi, qui détruit tout homme des ténèbres. Le feu. Le feu qui touche maintenant ta présence. Le feu de ta présence. Commence à remercier Dieu maintenant. Commence à l'adorer. Start to adore the Lord and start to commence à l'adorer. And thank you. Maintenant, une prière de feu. Now, make this prayer in your heart and be fulfilled with this prayer. Commence à donner une prière qui vient du plus profond de ton être. And start to bring a prayer to pray the Lord with all your human being. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Ouvre ta bouche. Do not look neither on the left or on your side or on the right. Et adore-le. And adore him. Et lève tes mains vers le ciel. And bless him. Bless him. Tu peux pas sortir de ce lieu de la même manière. Because you can't go out from this place in a different way. Parce que le feu touche. Because the fire is touching you and you will be changed. Le feu change ta prière. And this fire will change your prayer. Le feu amène des prières de feu. And his fire is coming down and bringing you prayers of fire. Des prières qui sont agréées de mon Dieu. Prayers which are agreed by the Lord. Seigneur, je me vois, je te bénis, je te rends grâce. Lord, I bless you and give you grace. Seigneur, merci pour le feu qui est là. Thank you for the fire which is in this place. Seigneur, je me vois l'église. Seigneur, je me vois que tu deviens embrasé maintenant. The Lord, I pray right now that your fire comes and embraces all and consumes our sins. Tu deviens maintenant comme le poêle qui reçoit le feu maintenant. So that all people will sense your fire right now. Que ton feu saisisse maintenant les vies. So that your fire will seize our lives. Que ton feu maintenant touche les cœurs. That your fire will touch our hearts. Oh, commence à prier en de nouvelles langues. Riba kola mantaya ma kota la marti, riba kola mantara si. Riba kota la mantara si, riba kota ma kala si, riba kota la kota so. Raba kota so kota mantaya tara si, riba kota la so. Riba kota que le feu également touche les internautes. Que maintenant le feu embrasse les cœurs. Le feu embrasse les cœurs. Le feu embrasse les vies. Dans le nom de Jésus, je détruis toute terre de la maladie. Dans le nom de Jésus. And I now all these internauts will be blessed and be seized by the fire. And now I destroy every demon of the devil and every sickness in the name of tout Jesus. Complètement, je déclare qu'ils sont résolus par le feu. And all the problems they are resolved right now by the fire of the Lord. Maintenant, je déclare que le feu change toutes les situations. And I declare that the fire changes all the situations. Le feu transforme toutes les situations. And the fire transforms all the situations. Et je déclare que le feu étranger détruit et brisé. And now I declare that the foreign fire is destroyed in the name of Jesus. Le feu étranger détruit et brisé. The foreign fire is destroyed in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Des cœurs changés. And all the hearts to be changed. Des vies transformées. And the
et des hommes et des femmes embrassés par le feu. Men and women which are in the fire. Embrassés par le feu. In the fire. Embrassés par le feu. In the fire. Embrassés par le feu. In the fire. Commence à remercier Dieu. And start to bring thanks to Him. Commence à le bénir. And to bless Him. Commence à le remercier. And to thank Him. À lui dire merci. Thank you, Lord. Je lui dis merci pour le feu. Thank you for the fire. Je lui dis merci de m'avoir créé. Thank you that I've been agreed. Merci de m'avoir créé. Thank you that you agreed me. Merci pour l'agrément. And thank you for your agreement. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Et c'est là que tu dis maintenant c'est le début. And now the Lord is telling you this is the beginning. Maintenant le feu commence à brûler ton cœur. And then now the fire starts to burn in your heart. Maintenant continue à alimenter ce feu par la lecture de ma parole, par la louange, par l'adoration. And now continue to bring more and more flame in your fire by reading the word and by praying every day. N'éteins plus ce feu dans ta vie. Do not put off the fire of the Holy Spirit. Car je demanderai compte à chacun de mes enfants. Because I will ask you one day for all the things that you've done in your life. De la manière qu'ils ont alimenté mon feu. And all in the same way that you're keeping the fire burning in you. Comme j'avais demandé au sacrificateur dans l'attente de la rencontre de ne jamais laisser éteindre le feu, mais de rallumer chaque matin et chaque soir. Just like all the people who are doing sacrifices that I asked them to all day to keep burning the fire for the sacrifices. J'allume ce soir le feu dans ton cœur. And tonight I'm putting the fire in your life. Mais je te demande en tant que sacrificateur du Dieu très haut de continuer à alimenter ce feu. But I am asking you as a living sacrifice to continue to put and to fulfill and to continue to take this fire in your life. Voilà ma demande à ton égard. This is my asking for you. The Lord is telling you. Te dis ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime. Your Lord who loves you. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Thank you, I bless you and I bring you grace. Merci Seigneur mon Dieu, crois que tu rends conscient également l'Église d'alimenter chaque jour ce feu. Thank you Lord that you are talking and speaking to the church tonight. Merci tu rends également conscient chaque internaute. And thank you that you're bringing this explanation to all the internauts and their consciousness about your faith. Et ceux qui te connaissent pas Seigneur puissent également te connaître par ta présence et par ton feu qui les touche maintenant. So that the people that are not knowing for your existing presence be touched right now. Seigneur, je te bénis. So that they will bless you. Je te rends grâce. And now I bring you grace. Je bénis ton peuple qui est venu dans ta maison. And I bless the people who came to your house. Je bénis les internautes. Bless the internauts. Et je te demande de nous accompagner chacun dans nos demeures respectives. And I would like you to ask you that you're with us in our houses, in our homes. Au nom de Jésus-Christ. In all our ways, in the name of Jesus. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur.